s'il vous plaît. Je vais passer 24 heures comme un chien. Comme l'animal, genre? Oui, le chien. Je vais passer 24 heures comme un chien. Le but vraiment, c'est de se sentir chien, c'est-à-dire vraiment adopter le même comportement d'un chien pendant 24 heures. Bienvenue à Shrek City, la capitale de la résistance. Ok, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce défi? À 3000 pouces bleus sur cette vidéo, je reste accroché à cet arbre pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je reste accroché à cet arbre. Hey, salut. C'est très simple, hein, j'ai acheté un petit costume de chien. Petit costume de chien que j'ai acheté sur Amazon, 10 balles. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Je trouve ça très réaliste. Première étape de ce défi, je vais commencer à mettre mon déguisement. Je vais manger des croquettes comme un chien et je vais essayer de courir dans la forêt. Ensuite, deuxième étape, je vais mettre mon costume de chien dans la rue pour essayer tout simplement d'être comme un chien dans la rue qui est mis en laisse, hein, tout simplement, pour voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça fait d'être un chien, de rencontrer d'autres chiens, etc., de rencontrer des êtres humains en tant que chien. Donc c'est parti. Ok, on va mettre le costume. Comme ça. Hop, les petits gants de chien. Hop là. Voilà. Là, on est vraiment en chien. Là, on est vraiment en chien, là. Bon, étape numéro 1, je vais aller manger des croquettes. Croquettes de chien, directement, on est dans le thème. Oh, mais c'est exceptionnel ce que tu as fait. Oh, regardez ce sandwich. Il a construit ce sandwich. Qu'est-ce que je pense du Shrek sandwich, gros? Tu penses quoi? Ah, très clairement... Toi qui le manges maintenant depuis 4 jours, 5 bah, jours. Bah c'est le sandwich le plus rentable, et il est bon et il est pas cher. De toi, McDo. T'es en chien? Ouais, je suis en chien. Je vais passer 24 heures comme un chien. Allez, c'est parti, je vais aller chercher les croquettes. On va prendre un peu des croquettes de chien. Ça, dans la gamelle. Allez, c'est parti. Coucou Choupi! Bonjour mon bébé. C'est la nature dehors. Bon allez, je vais faire un petit parcours, je vais vraiment essayer d'être un chien et de faire le parcours en 10 mètres. C'est parti. Ok. C'est pas facile. Hein. Ah mes genoux! Comment ils font les chiens? Ok, j'ai réussi le premier parcours, maintenant je vais manger des croquettes de chien. C'est bon les croquettes de chien ou pas? Ouais. Ça a quel goût? Ça a quel goût? C'est un goût de barbecue un peu. Barbecue, ok. Ouais. Oui. Ah, mais t'en as vraiment... Oh Ah mais t'as bu, ça veut dire t'as bu un peu de... Ah voilà, tu craches. Oh, c'est ignoble. Non, je suis désolé, les chiens, ils ont pas bon goût. Hein. Mais c'est pas leur goût, si on leur donne ça, ils ont pas le choix. C'est pas bon. Ah mais c'est pour ça que le chien, il vient nous dévaliser la maison, à chaque fois. Mais oui. En fait, c'est parce qu'il doit manger mais ça, c'est gros. C'est atroce, j'ai l'impression mais de Mais oui, c'est normal, en fait, je le comprends. J'ai l'impression de manger des bouts de carton mélangés à la salade. C'est pas bon. Oh. C'est ignoble. Des bouts de carton à la salade, c'est pas mal. Je dois atteindre la caravane en moins de 10 secondes comme un chien. Vas-y. Ok. Mais tu fais le singe, là. Il faut que ton cul soit plus bas que ta tête, c'est très important. Ok, il faut que j'imite l'aboiement maintenant. Tu me dis si je fais bien l'aboiement d'un chien, d'accord? Vas-y. Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que je fais? Ok, étape numéro 3, on va aller en ville. Azulek va me filmer en tant que chien, dans la rue, tout simplement, pour essayer de rencontrer d'autres chiens, pour voir comment ils réagissent. De rencontrer d'autres humains, pour voir comment ils réagissent. Que penses-tu de mon costume? Pas mal. C'est réaliste? C'est très artistique. C'est artistique, ouais. Ouais. C'est ce que je me suis dit au début, ouais. Allez, c'est parti, on va partir en ville. 3000 pouces bleus, je m'attache 24 heures à cet arbre. Hein. C'est pas facile, hein, vraiment, de marcher comme un chien. Je sais pas comment ils font les chiens pour marcher sur leurs genoux comme ça. Seika, viens, il y a des croquettes. Ouais, Seika, c'est moi, regarde. T'inquiète, c'est moi. Je sais que les chats aiment pas les chiens, c'est peut-être pour ça qu'elle... Voilà, viens, Seika, mon amour, viens. Voilà, viens, c'est ça. C'est moi, tu me reconnais? Regarde, il y a mon fils Choupi, là. Regarde, dis bonjour à Choupi. Oh, regarde, il t'a reconnu. Ouais! Non! Ok. Je devrais peut-être m'entendre avec les chiens. Oh, le gros malaise. Ok.
Ça fait très très mal aux genoux. Je sais pas comment ils font les chiens. Ok. Je vais peut-être me faire bouffer. Ah, il est gentil, ok. Ça fait très mal aux genoux. J'ai très très mal aux genoux. Et ils sont pas sur les genoux, les chiens. Ah, c'est vrai, comme ça. Hein. Ah oui, comme ça. Ah oui, comme ça. Oui, oui, comme ça. Non, c'est plus ça. Je suis en mode crapaud, là. Ça fait plus grenouille. Ouais, c'est plus grenouille, là. C'est épuisant. Il y a le chien qui répond. Vas-y, bats-toi avec, bats-toi. Je suis en 1v1. Ah, il a la haine. Maintenant, je vais essayer de faire pipi comme les chiens. Quoi ? Ouais. Tu vas pas pisser là ? C'est super dur ce qu'ils font. C'est des millions d'années d'évolution pour en arriver à cette technologie. C'est super dur, putain. Je veux pas le faire, moi. Ah, je suis fatigué. J'ai fait 2 mètres. C'est super dur. Je sais pas comment ils font, les chiens, quand même. Pouvoir marcher de cette manière-là. C'est super dur, franchement. Oh, c'est mal. Il est grave énervé, le chien de tout à l'heure. Tu l'as grave énervé, genre. Il est en mode, non mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de me voler mon rôle. C'est super dur. Aïe, 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 mes genoux. Le problème, c'est que si je me mets comme ça, bah je suis en mode grenouille, je suis pas un chien. J'aurais dû acheter des protections pour là, ici et là. Ouais. Ça fait très très mal. Ouais, c'est vrai. Ah, y'a quelqu'un qui te regarde, vas-y, y'a quelqu'un qui te regarde avec son chien. Attaque, attaque. Oh, j'ai de mal. Les gens se disent what the fuck. Qu'est-ce qu'on fout? J'ai l'impression de faire un marathon en fait. Bah t'as voulu faire 24 heures comme un chien, hein, voilà. Ok, je fais une pause comme tous les chiens. Les chiens ils font des pauses, non? Ouais. Ok, je fais une pause comme les chiens. Et surtout, en fait, c'est surtout le sol qui fait mal. C'est trop trop dur. Ok, let's go. C'est bon. Ah, c'est trop dur ce défi. C'est trop dur. Je vais avoir les genoux en sang. Hein. Je vais avoir les genoux. Il y a une meuf, elle m'a regardé en mode vraiment. Ah, les genoux. C'est trop dur. J'essaie d'aboyer en même temps, mais c'est très très dur. Moi, je pensais vraiment que j'allais avancer plus vite. Hein. Ne faites pas pipi sur la plante, s'il vous plaît. Ah mince. Ah, vous allez avoir pipi d'un coup. S'il vous plaît. Pisse pas ici, ou pisse pas ici. Allez, bouge. Mais qu'est-ce que je fous, putain. C'est vraiment mieux. Moi, j'ai trop trop mal aux genoux. C'est un vrai challenge, hein. Vraiment, mes genoux. Genre, je sais pas si on voit bien. Mais en gros, ça tape mes genoux. Mes genoux tapent contre ça et c'est vraiment pas facile. Et par contre, les gants sont vraiment sympas. Les gants que j'ai achetés, ça me protège bien des mains, donc c'est assez cool. Genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir couru là, comme Mbappé, là. Bon, petite pause, parce que franchement, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sport. Petite pause avec un petit burger très sympathique, avec des petites frites. Très bon pour la santé, avec de l'avocat, ce qui est rare dans un burger. Ah ouais, ah, j'ai jamais vu ça, je crois. Hein. Mmh. Un burger avec de l'avocat et des oignons. C'est vraiment bon. Ok, c'est parti, je vais faire le chien. Hop, on va faire une petite marche arrière sans écraser les vieux. Allez, c'est parti. Ça sort la langue, c'est ça le chien? Ouais, ouais, ça sent sa tête par la fenêtre aussi. C'est très dur. Je sais pas comment ils font les chiens pour avoir autant d'énergie. C'est là qu'on se rend compte que la nature... Regardez-moi ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. T'as tout ton reste, toi?